Voilà, 13h08, traduction, 1h et 8 minutes. Merci, Ojib Ali avec nous. Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour. Alors, on peut montrer ça quand même, parce que c'est ça, hypothèse, moi. Hein. un bel dessin. Et on sait, c'est beaucoup moins qui fait ça. Léonard. Léonard. Et puis, on a une dame aussi avec nous pour la première fois dans sa nouvelle chronique. Images, non, alors une voix. Une histoire des et des images. Alors, parfait. Explication. Pourquoi permettre qu'on commence avec madame là, quand même. Normalement. Oui, bon, alors, Manik, alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors, une voix, une histoire des images, eh ben, c'est l'opportunité, en tout cas, que Canal 10 donne à son large public, hein, parce qu'on parle beaucoup de télé du peuple, de pouvoir découvrir le livre autrement, donc oui. À travers des audios, puisque nous aurons l'opportunité de pouvoir écouter des extraits. Et c'est là toute la dimension de la télévision, hein, être accessible à tous, oui. Et pouvoir avoir une chronique qui permet de parler à tout un chacun du livre, et en l'occurrence du livre audio et du livre en général. On va regarder tout de suite le générique. C'est parti. Maman cherche le secret. Les bouts tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Voilà, Manik. Alors, de quel bouquin on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un recueil de contes, Contes des Antilles, oui. Qui a été écrit par Nadine Cornélie. Oui. Donc, Nadine Cornélie qui, je pense, ne parlera pas grand monde, puisque dans le monde de l'édition, on va la considérer comme primo-auteur. Sauf qu'elle a déjà obtenu un prix, le prix des Jeux Floraux, qui était à l'époque délivré par l'Éducation nationale, puisqu'elle est professeure des écoles, mais également maître formateur, puisqu'elle accompagne les stagiaires. Et elle a écrit donc un recueil de contes qui s'adresse aux petits hein, comme aux grands. Et avec toute cette dynamique du conte, c'est-à-dire qu'on sait... Du conte traditionnel, vraiment traditionnel. Alors on a Ojib Ali, c'est oui, pas tout, tout à fait du traditionnel. Alors ça sera pas du traditionnel puisqu'elle ouais. Réinvente... Alors elle reste quand même dans les codes sans revenir quand même... On retrouve pas dans son fameux Yécrit qui est craque, oui. Qui normalement relance oui, oui. L'écoute. Mais on est sur des formats très courts qui permettent à tout un chacun de pouvoir rester attentif du début à la fin. Donc c'est le conte qui explique l'environnement, c'est ça qui est très intéressant et que j'apprécie beaucoup avec les contes, c'est-à-dire que elle revisite et elle réexplique notre environnement. Et nous sommes en pleine période de carnaval et c'est vrai qu'elle a sorti donc parmi ce recueil donc il y a 6 contes dont la véritable histoire du roi Vaval. D'accord. Et là, effectivement, elle réinvente une histoire autour de ce personnage hein, que nous connaissons tous très, très bien, puisque nous sommes en pleine période de carnaval. Mais également, elle revisite également différentes étapes clés qui rythment la Guadeloupe. Donc le carnaval, Pâques, Carême, la période cyclonique avec le fameux bateau, le radeau qu'on appelait le Pripri, qui était un radeau de Caribéens. Elle revisite également la Toussaint avec une histoire sur la bougie qui est un... Alors, ça peut être très délicat d'aborder avec les enfants ben, la mort, le décès, la Toussaint. Et là, effectivement, elle nous emmène tranquillement dans ce recueil. Et également, un petit conte également sur la Noël avec... alors, pas la Noël avec le sapin, hein, oui. Mais bien avec le filao. Ah, filao, quand oui. Même. Oui. Donc, elle inscrit vraiment ses contes dans l'univers guadeloupéen, caraïbéen. On a un petit extrait, peut-être. On a un extrait, effectivement, de 4 minutes, quand même. Pas un petit, un extrait qui donnera envie, en tout cas. On écoute. La véritable histoire du roi Vaval. Il était une fois un petit pays qui s'appelait Mascarade. Dans ce pays, tout n'était que rire et amusement. On y chantait et dansait du matin au soir. Et personne n'avait peur de mélanger les couleurs les plus étonnantes pour se vêtir de tenues bariolées. Il n'y pleuvait que des serpentins et des confettis. Le soleil essaimait même des paillettes dès le lever du jour. Les pays voisins s'étonnaient de tant de bruit et d'un tel charivari. Ils demandèrent donc au roi de cesser ce raffut et de choisir un seul jour de l'année pour organiser ce qu'il appelait son carnaval. Le roi ne fut pas très content,
mais il accepta. En effet, les autres royaumes menaçaient de l'attaquer, et le pauvre roi ne voulait pas quitter son beau royaume et ses joyeux habitants. Comme il était né un mardi, il décida de choisir ce jour pour organiser la grande fête. Ce jour-là, tout serait permis. Manger, danser, chanter, sans fin, dans des costumes les plus étranges et surtout très colorés. La décision fut prise et ce mardi s'appellerait Mardi Gras. Pour le remercier, les autres pays décidèrent aussi de fêter pour la première fois le carnaval ce mardi-là. Un jour, le roi de Mascarade, invité par d'autres pays pour montrer ses beaux costumes, fit la connaissance d'une belle princesse des pays du Sud. Là-bas, on aimait beaucoup s'amuser. Ayant trouvé la reine de ses rêves, il décida de l'épouser. Et aux costumes bariolés vinrent s'ajouter des musiciens aux instruments les plus étonnants. Tambours, trompettes, maracas, cloches, stilpanes. Le roi et la nouvelle reine eurent un fils. Ils décidèrent alors qu'ils devaient choisir un jour où on fêterait son anniversaire par un majestueux défilé. Comme il était né un dimanche, ce jour fut appelé Dimanche Gras. Le roi et la reine s'étant mariés un lundi, ils décidèrent de poursuivre les festivités de carnaval le lundi suivant le Dimanche Gras. Ainsi, du dimanche au Mardi Gras, tout le monde s'amuserait en l'honneur du roi de Mascarade, de son union avec sa belle reine et de leur prince. Mais quelques années passèrent et le roi du carnaval et la reine eurent un deuxième fils qui vint à naître un mercredi. Alors, le roi décida de fêter son anniversaire le mercredi qui serait aussi déclaré dernier jour du carnaval. Le deuxième prince fut très triste car ce jour-là, personne ne portait d'habits colorés car il était coutume de défiler en tenue de deuil. Quand il fut en âge de voyager, pour le consoler, son père le nomma grand ambassadeur du carnaval. Il était chargé de veiller à la bonne organisation des festivités carnavalesques dans tous les pays amis du royaume Mascarade. Il accepta son rôle. Mais souvent, quand il assistait aux défilés tout autour du monde, il ne pouvait s'empêcher d'être triste dès qu'arrivait mercredi des cendres. Jusqu'au jour où il arriva, un jeudi, dans une petite île appelée Papillon, doucement bercée par l'Alizée et la mer des Caraïbes. Dans cette île, on dansait toute l'année. Quand il raconta son histoire en pleurant, tout le monde se moqua de lui. On lui dit « Pourquoi pleures-tu ? Parce qu'on te fête qu'en noir et blanc et qu'un seul jour par an ? Ici, on te fêtera 10 jours ou autant de jours que tu voudras avec nos plus belles tenues. » « Ah bon ? » répondit le prince. « Tiens, si tu veux être notre roi, nous te fêterons du premier dimanche de l'Épiphanie, fête de tous ceux qui veulent être roi, à Mardi Gras, fête anniversaire de ton père, le vrai roi du carnaval. Et cela, chaque dimanche, jusqu'au jour gras, nous t'offrirons nos défilés les plus colorés. Mais ici, tu ne t'appelleras pas prince de Mascarade, mais Vaval. » Voilà, donc un court extrait. Oui. Combien de pages sur le bouquin ? Alors, combien de minutes l'audio ? Oui, c'est ça. Alors, c'est un ouvrage qui dure 40 minutes, oui. Puisqu'il y a plusieurs petites histoires. La version papier est en cours, hein, puisque nous l'avons confiée aux éditions d'Aigmaron, oui. Pour pouvoir justement avoir la version papier. Mais en audio, il fait 40 minutes. Donc, c'est des petites histoires du soir qu'on peut écouter seul ou en famille, oui. Et avec les amis. Et qui permettent un petit peu à l'enfant, donc comme j'expliquais la première fois où je suis venue, hein, c'est-à-dire l'acquisition d'un vocabulaire, et puis pouvoir répondre à la question du pourquoi à ses enfants, et leur proposer quelque chose qui rentre dans l'ordre de l'imaginaire et du merveilleux. D'accord, merci. Merci à vous. Bien, à bientôt. À très bientôt. Il y aura une suite, cette chronique qu'on va retrouver pratiquement tous les 15 jours au début, peut-être tous les 8 jours.